Et le dernier, na, ya mwisho, puis nous prions pour nos gens ici. Isha, tuombe vijana wetu, na tutakuwa tumefika mwisho. Il y a des gens qui aiment pour leur métier en joie, divertis. Kuko watu. Ambao, ils sont créés. Wao waliumbwa kwa namna. Ils aiment que. Wanapendaka kwamba. Quand vous les aimez. Ukiwapenda. Que vous leur fassiez des petites surprises, des joies, des divertissements, des petites sorties, des petits cadeaux, des petites fêtes. Ils sont ou elles sont ici parmi nous. Uwafurahishe kwa kuwaletea vitu vizuri na kuwafanyia vitu vizuri katika hali mbalimbali. Wako hapa. Je termine dans 5 minutes. Mudakika 5 nitakuwa nimemaliza. Puis nous allons prier pour eux. Kisha tutaombea walunga. Ces gens sont comment? Wale watu wako namna gani? Ni mtu aliumbiwa. C'est quelqu'un qui est créé. Anapenda kama ma fête. Il aime trop les fêtes. Kukikwa cérémonie. S'il y a une cérémonie, tu n'es pas allé avec elle. Tu n'es pas allé avec elle. Il est si que mon yumba munalala bariti. Tandis que les autres, kwa wengine, koniaye ou n'ont pas de problème. Aende na mwenzake wala siende hajali. Même les problèmes que nous avons avec nous, notre génération. Na njoo chida nyetu konayo na kizazi cha sasa. Surtout nous qui avons grandi au village. Zaidi sana sisi tulio komalia vijijini. Nous n'avons pas connu des affaires d'anniversaire. Hatukuwa na mahabari za siku tulizaliwa. Nous avons grandi au village. Tulikomalia kijijini. Anniversaire on ne connaît pas. Tarehe ulizaliwa ko na kuikumbuka huijui. On n'a jamais célébré ça. Auya ifanyizia sherehe. Vous venez vous marier une fille qui depuis son enfance on lui fêtait les anniversaires. Unakuya hawa musika mwenye kila siku ya kukumbuka kuzaliwa yake ni karamu. Chez vous, vous avez atteint 20 ans, vous n'avez jamais été dans une cérémonie. Kwenu ulifanyaka miaka makumi mbili au yangiaka na mukaramu, na mushere fulani. Elle, yeye, depuis son enfance, elle est devant des mariages, des mariages, des mariages, des mariages. Tama nizaliwa kila mwaka na endaka kumandoa ye, kumandoa kila mwaka. Tu la maries. Unamuowa. Tu ne sais pas ce que ta femme aime. Haujua vyenye bibi yako anapenda. C'est le jour de sa fête. Inakuwa siku yake ya karamu. Tu éteins le téléphone. Unazima simu. Tu passes la journée au travail. Unapitisha muda kukazi. Tu rentres le soir. Unarudia magharibi. On lui a déjà souhaité de vœux. WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook. Wenzake kwenye mitandao analundo ya maongera masifa walimtumia. Toi tu rentres comme ça comme nous on est né au village. Wewe unarudia hivi ulizaliwaka kule Luakaviri Munguli. Mnashinda pale. Mnajipitia. Regarde comme ça. Maraba bwana nilipataka wao. Ajabu ajabu. Hayo mimi na tarehe nilizaliwako. Les générations qui montent sont très difficiles. Iki kizazi chenye tu kwa kiko kigumu. Plus que nous qui avons grandi au village dans les années 1900. Kuliko sisi wenye tulizaliwa mu vijiji mu miaka 900. Moi je vais vous donner un exemple. Mimi nitawapa mfano. Au travail chez nous, kukazi kule kwa natumikaka. Nous ne savons pas comment ça se fait. Hatujui namna vinafanyika. Il y a des moments où tu es à le bureau. Kuna wakati unakuwa ofisini. Le marque on est avec des gens qui sont plus éveillés que nous autres. Tunapokuwa na watu wenye wana elimu katika yale mambo kutuzidia. Tu es en train de dactylographier. Wewe uko tu kwenye chuma chako ukitumika. Tu vois les gens ouvrir le bureau. Utaona watu wanafungua mlango wa ofisi. Avec un cadeau. Wanaleta zawadi. Avec des chansons. Wakiimba. Et des fleurs. Na maua. Des internationaux. Wengine ni wa mataifa mengine. Des blancs qui sont mieux habitués à ça. Bon, wazungu ambao wali zoea hayo. Ils vous entourent. Wanakuzunguka. Ils chantent. Wanaimba. Ils chantent. Wanaimba na kucheza. Ils mettent les gâteaux là-bas. Wanaweka zawadi pale. On prend ta main. Wanakushika mkono. On te force. Wanakukaza. On coupe les gâteaux. Allez, tuta kata. Gato. Et puis on chante. Kisha wanaimba. Et puis on prend des vidéos. Kisha wanashika video. Toi tu es étonné. Wewe unashanga. Imaginez-vous que c'est ta femme qui a fait ça au bureau. Jiulize, ni mke wako alifanya hiyo kwenye ofisi. Mena elle rentre. Sasa anarudia. Elle ne trouve même pas une banane à la maison. Akose na kitika moya munyumba mwake kwenye anarudilie. Apprenez à connaître les gens qui vivent avec vous.
Mujifunze kujua watu wanaoishi pamoja nawe. Fêter l'anniversaire n'est pas un péché. Kufanyia karamu siku ulizaliwa haiko dhambi. Mais fêter au-delà de vos moyens, c'est un péché. Kufanya karamu ya kushinda pesa zako. Ya kushinda uwezo wako ni dhambi. Quelqu'un peut fêter l'anniversaire qu'il a fait son mariage. Wa mtu anaweza fanyia ndoa yake karamu. S'il a les moyens, s'il n'en a pas, kama hana, c'est pas mauvais. Si bibaya, mais attendez-vous avec votre femme. Si maintenant la tante n'est pas là, kama hakuna masikilizano, problème. Shida. C'est pas parce que maman telle a fêté son anniversaire avec un habit de $800 que tu vas imposer ton habit à te l'acheter pendant que l'homme n'en a pas. Si wakati mama fulani alikumbuka siku alizaliwa mumewe akamuvika nguo ya $800 ende ukatungise bwana yako kwamba naye akununulie ile ile vazi. Faites des choses selon vos moyens, vos capacités. Mais comprenez-vous, sawa sawa na uwezo mnao katika maelewano. Ne sabotez pas les choses tout simplement parce que tu veux t'imposer. Na usizarau vitu sababu nataka tia sheria. Là je suis très clair. Hapo ninakuwa wazi. Alors si par mégarde maintenant ta femme elle est de cette catégorie. Sasa bahati mbaya mke wako awe na wa huu mtindo. Ni karamu ya bakwabo. Ni karamu ya bakwabo. Quand il s'agit d'une fête de chez elle, chacun amène un petit cadeau. Kila mtu alileta zawadi. Toi tu dis, wewe unasema, on ne donne rien. Hatutapana kitu. Est-ce que vous vous imaginez comment vous la blessez? Unajiuliza namna unavyomshusha. C'est ça. Ni hiyo. Alors, sasa, chacun de nous, kila moja wetu, va voir, ataona. Et puis n'oubliez pas, na msisahau. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Elle vendra la vie joyeuse et l'argent repos à tout. Watu wanatengeneza chakula na kutia vinywaji juu wapate kuwa na maraha. Eti na pesa zinajibiaka kushida zote. Ecclesiastes 19. Kisha mwenzako anakuambia muyomba takuya hapa tumuchinjie jogo. Ndio. Jogo hauna haya. Nyonyo nyonyo nyonyoko. Jogo yenyewe si azichinjia juu ni muyomba yako ni ataniletea nini? Alors muyomba vient, l'oncle vient. On lui donne n'importe quel repas. Banamupa izuru chakula gani? Parce que le pousser t'imposer. Sababu bwana alisititiza. Imaginez-vous comment cette femme va accueillir les gens. Mujiulize ule bibi atapokea. Alors dernier avertissement. Tahadhari ya mwisho. Esther. Dada Esther. Usipende bakwenu katale bakwabo Richard. N'aimez pas les gens de chez vous que les gens de chez Thomas. Richard. Na wewe Richard. Usipende bakwenu katale bakwabo Esther. N'aimez pas les gens de chez vous plus que les gens de l'autre famille. Aujourd'hui, chacun en deux familles. Les gens de chez Esther, considèrent-le comme les gens de chez toi. Les gens de chez ton mari comme les gens de chez toi. Musikwe sawa bale watu. Ne soyez pas comme ces gens. Wakati bakwabo banakuya anafanya madépense. Quand les gens de chez eux arrivent, ils font beaucoup de dépenses. Mais bakwabo bwana wala bakwabo anafika. Mais les gens de chez son mari quand ils arrivent à la maison, frère amen. Anaficha. Anawe. Hatuta bauzi hata kasamaki. Non. Manake habatakula ta nyama. No 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 no. Hapana 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 hapana. Saba kwenu wanakuya. Mekao le jeune chez vous. Karibu karibu. Karibu eh karibu. Munakunyaka nini? Fanta, Vitalo, Coca, Sprite, jus d'ananas, jus de pomme, jus de mangue. Mutakunya msururu, mai, juisi, au soda. Le numéro 10 ici va briser beaucoup de foyers. Hii mtindo wa 10 utabomoa nyumba. Aha, si ça tunafika hapa tuonake saa watu. Nuka nous arrivons, on ne nous considère pas. Mais bakwabo. Mais les gens de chez elle. Bakifika. S'ils arrivent. Na ngombe anaweza ichinja. Il peut même abattre une vache. Hamuko hapa. N'êtes-vous pas ici? Turu ya mungapi ulitumia mama yako mukwe chumbi? La dernière fois, c'est quand que tu as envoyé le sel à votre belle-mère au village. Vous. Nini. Tu as sa femme, sa fille pendant combien d'années? Est-ce qu'il y a un jour où même tu as envoyé au village même un pagne
Unabakia na bibi yako miaka ngapi? Kuna siku uliweza mtumia hata kikwembe kimoja? Mamukwe. À l'intérieur. Huko kijijini. Ton beau-père est en train de vieillir au village. Est-ce que tu n'as pas des anciennes vestes que tu pouvais même lui envoyer? Bamuko yako yuko anazeekea anaishiria kule kwa kijiji. Hauna koti yako ya zamani yenyewe unaona hauwezi vala tena uimtumie. Kwake ni ya mpya. Et quand il voit eh mtoto alinitumia nguo. Et quand le grand-père voit que le beau-fils m'a envoyé la bia. C'est pourri d'avoir ma valise là. Makoti si zinazeekea zinakamata. Trop d'habits que les femmes ne portent pas, mais quelle démaille pouvait porter là à l'intérieur? Kuna ambayo wanawake hawavali hata miaka na miaka ingalau wadadake na bwana wangezivaa. Courbons nos têtes.